paquet. Donc je pense savoir ce que c'est. On va ouvrir, je vais prendre mes cutters. Il y a l'air d'avoir une boîte. Alors j'espère. Ouais, il y a la boîte, donc je vais pouvoir ouvrir proprement. Ah. J'ai un ciseau à côté, je suis enlevé avec le ciseau. Alors, avant, je vais mettre mon portable sur vibreur parce que il y a des mails qui arrivent. Hop. J'enlève ici. Donc voilà la boîte. Par contre, j'espère que la toile n'est pas défoncée parce que la boîte est défoncée. Je vais faire une petite photo de la boîte défoncée quand même. Parce que si jamais c'est défoncé à l'intérieur, que je puisse renvoyer. Bon, elle n'est pas trop défoncée, mais bon. Je vais faire une petite photo. De toute façon, j'aime bien aussi faire des petites photos pour mettre dans mon suivi Amazon AliExpress. Ça vient d'AliExpress. Donc la petite boîte, elle est comme ça. Donc là, vous avez quoi? Bah, tout en anglais, je sais pas quoi. Vous avez plein d'informations en anglais. La marque. Gemify. Diamant. Donc si c'est la toile que je pense, c'est de la faute de Lorraine, parce que Lorraine avait présenté un nouveau vendeur à elle et ça m'avait bien plu ce qu'il donnait en kit tool. Donc là vous avez les informations. Et du coup j'avais été voir sur son site, j'avais pas prévu de commander, j'ai juste été sur le site et au final j'ai vu une toile qui me plaisait et que je lorgnais depuis longtemps dessus, donc je l'ai commandée. Je pense que ça peut être que celle-là. Donc la boîte est vide. Alors, ouais. Donc la toile est emballée comme ça, dans un sachet supplémentaire, enroulé avec des petits élastiques. Donc ça, par contre, niveau... niveau emballage, c'est bien, mais je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop. La toile aurait été juste mise comme ça dans l'emballage. Bah, c'était dans le carton, c'était suffisant, ça. C'est de trop et c'est... du gaspillage pour la planète, mais bon. Donc les pierres sont toutes en ribambelle. Alors je vais vous présenter en premier le kit tool. Bah, je vais peut-être vous mettre sur mes mains. Ah, il y a la caméra qui bouge, ça m'agace. Il faut que je rachète un trépied, mais c'est pas prévu pour ce mois-ci. Donc attendez, j'essaie de resserrer le trépied. Et j'y arrive pas. Voilà, si j'y arrive, hop, j'ai réussi. Donc, tac. Donc, le kit tool, on a. Je vous le présente parce qu'il n'est pas comme les autres. Et d'ailleurs, il y a certains vendeurs qui feraient bien d'en prendre de la graine. Donc, on a la colle rose comme tout le monde. Moi, ce qui m'a plu quand j'ai vu chez Lorraine, c'est la raclette. Je pense que ça peut être bien. Alors, j'ai vu une vidéo où il y en a certains qui s'en servent là-dedans. Quand vous mettez vos pierres pour qu'elles soient bien étalées, vous raclez comme ça en fait et ça met les pierres comme il faut. Donc ça peut être bien, ou alors pour repousser des pierres qui ne sont pas bien installées, ou alors pour bien aussi quand c'est des ronds, refaire l'écart entre les ronds, de bien mettre comme ça. Donc on a la barquette verte. Moi c'est un peu ça qui m'avait plu, la petite raclette. Il y a vraiment pas mal. Ah mais il y a un autre pain de colle. Un autre pain de colle. Il y a quand même quelques sachets. Donc ça, c'est cool. Bon, il n'y aurait pas de quoi, je pense, faire au moins un sachet de couleur. Mais bon, c'est pas grave. Le stylo classique avec un multiplaceur. Placeur de 3. Une pince à neuneux. Une petite mousse. Ça, ça peut être toujours un peu sympa. Donc voilà pour le kit tools. On va ouvrir la toile. Alors, c'est de la colle coulée. Apparemment. Bon, j'arrive pas à enlever les élastiques. Ah si, voilà. Par contre, les élastiques, dommage, ça a brayé toute la toile. Bon.
J'espère que ça sera pas dramatique, que ça se verra pas. Aïe aïe aïe, non, ça a l'air d'aller. Par contre, non, il y a un gros souci là. Ah là, non, non. Il faut que je lui envoie un message. Il y a un gros souci, c'est pas la toile que j'ai commandée. Alors, je pense que c'est le bon vendeur. Mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. J'ai commandé une toile coccinelle. Et je me retrouve avec une tête de... je sais pas quoi. Je sais pas qui, je sais pas quoi là. Attendez, je vous montre. Je me retrouve avec ça. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Moi, j'ai commandé la coccinelle. Bon, ben... voilà, je vous la présente quand même. Alors, je vais couper 2 secondes. Je vais monter de trépied d'un étage. Et je vous... voilà, donc je vous ai remonté plus haut. Donc là, vous allez pouvoir la voir entière. Donc c'est de la colle coulée. Et par contre, c'est pas du tout le modèle que moi je voulais. Alors, en plus, je sais même pas c'est qui. Si vous savez, ça représente quoi ou parce que je pense que c'est un héros peut-être d'un film ou d'un truc. C'est un roi ou je sais pas quoi. Donc si vous connaissez, bah dites-le moi en commentaire. Mais bon, moi je vais aller contacter tout de suite le vendeur pour lui dire que c'est pas ça. D'ailleurs, je vais vous dire c'est qui le vendeur. Au niveau de la colle, c'est top. Au niveau des symboles, c'est top. Par contre, au niveau des élastiques, bah, c'est bien ce que je disais, hein. Ça fait un pli sur la toile à l'endroit où il y a eu les élastiques. Et ça, bah, du coup, bah, c'est pas top. C'est pas top. 25 couleurs, je trouve que c'est super foncé. Dans les endroits où c'est très foncé, ils ont mis soit la lettre en jaune vert. Je vais vous zoomer. Par exemple, là, les G, vous voyez, sont en jaune vert. Là, c'est noir, c'est en blanc. Donc ça, c'est plutôt top. Mais là, voilà, là, regardez, de ce côté-là, à cet endroit-là. Alors attendez que je revienne dessus. À cet endroit là, j'essaie de relever un peu et de zoomer. À cet endroit là, là on voit il y a un gros pli, puisque la toile était enroulée avec l'élastique. Là il y a un gros pli. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas trop comment vous montrer. Mais là moi, à l'œil nu et puis au toucher, ça se sent. Bon, bah voilà, du coup, je vais vous dire c'est qui. Du coup, alors les pierres, bah, je vais pas les ouvrir. Hein. Bon, bah si des fois le vendeur disait que je peux la garder et qu'il me renvoie la mienne, ben celle-là sera gagnée dans un prochain concours. Voilà, j'espère qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Alors, on va tourner sur AliExpress. Et c'est le bon vendeur, moi, j'attendais rien d'autre. J'attendais partenariat, mais c'est pas ça du tout. Donc, et puis, il reconnaît direct le kit tool. Le kit tool, je suis sûre que c'est celui-là. Donc là, il y a comme un gros problème. Puis dans la sélection où j'ai sélectionné ma toile, il n'y a que des voitures. Donc, allô, quel est le souci, quoi? C'était... alors, je vais vous montrer. Okay. Moi, c'est celle-là que j'attendais. C'est celle-là que j'attendais de chez lui et je crois pas du tout que ça ressemble à ça. Hein. Alors, ok. Je vais retourner en arrière et je vais vous présenter le nom du vendeur. Voilà. Le nom du vendeur, c'est ce nom-là. Et c'est sur AliExpress. Voilà. Bon, bah là, du coup, je vais le contacter tout de suite et je vais lui dire qu'il y a eu un gros souci. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!